Tout le monde, comment ça va? On se retrouve ce soir pour le stream sur Star Citizen, toujours sur 3.24, PTU qui est public depuis début du week-end. Malheureusement, il y avait quelques soucis qui font qu'on n'a pas vraiment pu profiter de ce PTU ici, notamment les écrans qui ne marchaient pas. Et résultat, c'est-à-dire que ben, la plupart des bornes pour accéder aux inventaires locaux ne... pas interactif tout simplement, sachant qu'en plus il y a déjà fait un petit pas en arrière par rapport aux bornes d'item, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Plus en plus de ça, vu que les écrans marchaient pas, ben 80% des bornes qui permettaient d'accéder notamment à tout ce qui était achat de ressources, marchandises, etc., ça marchait pas non plus. Voilà. Compliqué, compliqué, compliqué. Donc hier, on n'a pas pu vraiment profiter de SC. Pareil, hein, pour ce qui est des écrans, dès lors que vous voulez accéder à un écran qui permet d'activer un ascenseur pour pouvoir faire de la livraison de caisse, par exemple, bah ça marche pas non plus. Donc pratique pour pouvoir faire les missions de cargo.
compliqué. Et donc, salutations tout le monde, salutations Berserkia, salutations Popovski, salutations Gwynion, salutations Cloudwalker qui a changé son pseudo en Nuage Marchand, en effet, c'est une traduction littérale, en effet. Salutations Jagrim, merci au passage pour l'abonnement Jagrim, pour l'abonnement 22 mois complet, merci beaucoup. Salutations Zayman, salutations Clem, au passage, merci Cloudwalker pour le réabonnement, 14 mois complet, merci beaucoup. Ah, ils ont enfin corrigé. Donc Berserkia dit, ils ont enfin corrigé le problème de l'affichage sur le tableau, enfin sur le HUD du vaisseau lorsqu'on fait la livraison avec le Unclaimed Cargo Waiting Transfer. Ça, c'est cool. Donc CIG a réglé donc la limitation par rapport au tractor beam du multitool. On peut transporter avec non du moins de 24 SCU. Est-ce que ça inclut le 24 SCU ou pas? Et ils ont retiré les 32 SCU, les conteneurs de 32 SCU dans les autres postes. Ok, parce que c'est vrai que ça posait problème par rapport aux ascenseurs. Ils auraient juste pu agrandir les ascenseurs, mais bon, voilà. Le cœur qui dit perso, je jouais pendant 4 heures aujourd'hui, j'ai eu aucun problème, j'avais un serveur qui tournait pas trop mal, 10 FPS minimum et 25 max. Entre 10 et 25 FPS pour le coup, c'est... Comment dire? C'est plus une fourchette, c'est un râteau. Bref. Un seul truc que le moment sont jusqu'à 23h, comme toujours, n'hésitez pas à vous prendre un petit peu de Oli pour l'exclamation Oli dans le chat. Je suis toujours avec le Oli hydratation ananas. Et j'ai reçu un mail il y a une demi-heure. Comme quoi il y avait deux nouvelles saveurs qui arrivaient. Deux nouvelles saveurs de thé glacé de Oli. Je vous en dis pas plus, c'est très estival de ce que je vois, et c'est des fruits qui vont être sacrément cool à prendre. Et cette essence là. Donc ouais, en vrai, là j'ai hâte. Ouais, ça tombe bien parce que ce week-end j'ai repassé commande de mon côté pour des saveurs que j'apprécie. Mais là, en vrai, en termes de thé glacé, je vous cache pas, je vais me faire plaisir. Entre le thé glacé que je prends d'habitude, donc le mur thé noir, et les deux saveurs de thé glacé qui vont, je sais, me plaire, et qui, je suis sûr et certain, vont plaire à madame, il y a moyen qu'on se fasse plaisir. Là, pour la fin de l'été, là, Oli nous régale. Là, les saveurs estivales, en veux-tu, en voilà, hein, y en a beaucoup. Bref, je vais brancher le joystick panel de gaz, on va se lancer sur le PTU de Star Citizen, en espérant que ça fonctionne bien, en espérant que mon corsaire soit toujours présent. Au pire, je pourrais en acheter un, c'est pas grave. Et en espérant également que le tractor beam que j'avais utilisé pour à deux mains soit également toujours dans mon inventaire. Et en espérant bien entendu que les écrans fonctionnent. Voilà. Hop. Au pire, on ira sur Zenless Zone Zero. En vrai, le truc, c'est que je commence à être bien avancé dans l'histoire. Je suis au début du chapitre 2. Enfin, je suis au début. Non, j'ai déjà bien entamé le chapitre 2. Et c'est à son Maxime. Donc j'ai rencontré Grace et les autres. Grace, elle fera partie de mon équipe, c'est obligé. Mais le problème, c'est que pour vous résumer ce qui s'est passé dans Zenless Zen Zero, déjà pour vous poser le contexte, ça va être compliqué. Mais pour vous expliquer en plus ce qui s'est passé depuis. Parce que c'est un jeu, c'est un jeu, il va très vite. Il perd pas de temps niveau scénario. Hop, on lance Star Citizen. Alors oui, petit point, vous l'avez noté, j'ai un peu épuré l'overlay du stream, j'ai retiré donc tout ce qui était last sub et dernier don, parce que voilà. Notamment, je vais vous montrer, par rapport à, voilà, ceci. Là, j'ai vraiment épuré un maximum. On va couper la musique d'ailleurs au passage. Par rapport à ça, hop, celui-là, on va peut-être le décaler un peu plus vers en bas. Voilà. Donc là, grosso modo, c'est, j'ai envie de mettre la part belle aux images. Donc, j'épure un maximum le stream, simplement. Voilà. Comme ça, moi. Donc ouais, c'est une nouvelle... Et je vais faire quelques petites modifications aussi, peut-être rajouter la date et l'heure. Hein.
quelque part, je sais pas. On verra bien. Non, je sais pas si je t'ai dit bonjour Maxime. Au pire, je te redis bonjour pour pas que tu me prennes mal. Ok, bon. Lançons-nous tranquillement sur AC 3.14. D'après CloudWalker, visiblement, ça fonctionne bien. Donc, si ça fonctionne mal, je sais qui m'en prendre. Maxime, si tu m'as déjà dit bonjour, ok. Ouais, parce que je sais que. Il y en a qui prennent la mouche quand je leur dis pas bonjour, parce que y a des messages dans le chat et que je fais pas forcément attention à tous. J'essaye, mais c'est compliqué. Et c'est assez en Asterazog. Nous disions. Load. Voilà. Skip tutoriel, direction leur ville. Et ça t'a son crapaud. On va directement récupérer. Alors, ça nous permettra de tester si les écrans fonctionnent bien. On va directement récupérer le tracteur beam à deux mains qu'on avait récupéré hier sur HURL1. Lolcar qui dit, j'ai dit que pendant ma session de 4 heures aujourd'hui, je n'ai pas eu de problème bloquant. Ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde. Ok. T'essaies déjà de te dédouaner. Et cet ascenseur Ikea. Alors ça progresse ou ça marche toujours très mal. Bah là, je viens de lancer le jeu pour la première fois aujourd'hui. Donc on va tester ça ensemble maintenant. Déjà, je peux interagir avec l'écran. C'est un plus comparé à hier. Et donc là, vous le voyez, au lieu d'avoir directement le truc à l'écran, d'avoir l'inventaire qui s'affiche à l'écran, on a ça directement. Ça, vraiment, c'est dommage. Mais bon, passons. Nous disions. Non, pas 12, c'est 11. Ce que je vais faire, c'est ça. Retire le chat in-game. On va déjà prendre le Call to Arms, même si techniquement on va pas faire le Call to Arms. Enfin, on va pas faire beaucoup de mercenariat aujourd'hui. C'est juste histoire de, au cas où. Bon, même si on a 8 millions et demi de crédits, on s'en fout. Mais on va gentiment décoller et partir avec notre corsaire qu'on avait farmé hier. Clem qui dit massacre, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça vraiment dommage le rétropédalage que CIG a fait par rapport à l'inventaire. En vrai. Là, ça équivaut à pouvoir appuyer sur la touche I, mais uniquement à certains endroits. J'ai cru comprendre que ce retour en arrière était provoqué par la commu qui a râlé. Mais j'en parlais hier, justement. C'est. CIG écoute trop une partie de la communauté qui a tendance à râler et qui veut de l'immédiat, etc. Et résultat, on se retrouve avec une casualisation du jeu qui est assez, assez débile. Rétropédalage provisoire, je l'espère, mais j'y crois pas les masses. Faut vraiment que ça a chié comme mécanique en fait là. Mais bon. Et là, CIG a fait un entre-deux entre ce qu'on avait en 3.23 et ce qu'on devait avoir normalement en 3.24. C'est Raka qui dit c'est dommage dans le sens où les gens avaient raison de dire que l'interface était horrible, mais il fallait retravailler, pas l'abandonner. Moi, je trouvais pas si horrible que ça, moi, au final. Maxime qui dit en quoi ça change quoi que ce soit sur un écran ou sur HUD. Bah, un exemple tout simple, en fait, lorsque tu passais sur l'écran, tu pouvais sélectionner les différents items que tu voulais, et de cette façon, tu avais grosso modo une case où tu avais tous les items que tu avais sélectionnés. Et donc tu pouvais directement les équiper sur ton personnage, et en même temps te déséquiper des items qui t'intéressaient pas.
qui stockait automatiquement les items qui n'intéressaient pas dans l'inventaire local de la zone. En plus de ça, et c'est un détail qui pour l'instant, je pense que ça c'est pas encore monté au cerveau de certains, grâce à l'écran qu'on avait sur les bornes d'inventaire, on avait un moteur de recherche qui a disparu vu qu'on est repassé sur ce système à la con. C'est dommage, hein. C'est très dommage, hein. Après, bon, je dis ça, je dis rien. Voilà. Je le pense très fort. Je pense excessivement fort. Bon, ça, c'est un rétropédalage vraiment qui est... montre normalement à la base. Il n'y a pas de moteur de recherche. D'ailleurs, tu peux toujours filtrer, etc. par armes, armures, etc. Il n'y a pas de souci par rapport là-dessus. On est d'accord. Hein. Mais ah, y avait un moteur de recherche, quoi. C'est tellement pratique. Cloudwalker qui perçoit avec ou sans moteur de recherche pour le moment, ça n'importe peu. N'importe peu, j'ai presque rien dans mon inventaire, à part les fringues, un multitool et quelques bouteilles de cruise. Ouais, mais bon, quand, comme moi, tu étais du genre à récupérer les items qui t'intéressent, à faire les réserves au cas où, parce que tu sais très bien qu'il y a un bug qui risque de te tuer et donc de t'empêcher de récupérer ton stuff. Et t'es du genre à prendre 4 ou 5 équipements qui t'intéressent à la fois, histoire d'être sûr d'avoir du roulement si jamais il y a un souci. Et cet ascensirus. Et donc tu te retrouves vite emmerdé par rapport à ça. Sayaka qui dit justement pour moi, cette histoire montre que CIG est totalement perdu sur le sujet. À mon avis, il faut réfléchir en premier lieu à comment intégrer les outils comme la recherche, le stack hall, le cell hall, avant même de réfléchir à quelle interface ou borne ça va être fait. Le fait qu'on n'aura toujours pas de barre de recherche ou de stack hall en 3.24, c'est ça le drame. Parce que tu oublies un détail important, Sayaka. Tu oublies un détail ultra important. C'est que cette interface-ci, que tu vois là, que vous voyez là, n'a jamais eu pour but d'être utilisée jusqu'à la fin du jeu. CIG a toujours dit, c'est une interface de transition en attendant qu'on intègre tout ce qui était inventaire physicalisé. Inventaire physicalisé qui a été intégré avec justement les bornes d'items. Et donc CIG s'est dit, bon bah, vu que là, on est sur ce qu'on veut faire réellement l'aboutissement de cet élément de gameplay-ci, on va pouvoir peaufiner le HUD, tout ce qui est interface utilisateur. Et ils l'ont fait, et c'était fonctionnel, ça marchait bien. Ok, il y avait un bug qui faisait que tous les items apparaissaient 15 fois trop grands. Mais on était sur l'aboutissement de cet élément-ci. Encore pas tout à fait, mais presque. C'était censé être ça, en fait, l'interface utilisateur qu'on devait avoir. Mais les joueurs ont dit « Oh, ça me demande de faire deux clics en plus. Oh, c'est chiant. Vas-y, je vais faire moins moins sur Spectrum. » Rien d'autre à dire par rapport à ça. Ils ont peut-être mis l'interface provisoire le temps de repenser l'écran des bornes. Peut-être, mais
comme ça a été dit plus tôt, ça, je comprends pas le retrait carrément de cet élément-ci. Plutôt que de dire, bon bah on va le retravailler, on a compris, on va le retravailler, vous inquiétez pas. C'est vrai qu'Akini, je sais que toi tu l'aimes bien, mais moi pas du tout. De dire que cette interface lourde et pas pratique et l'aboutissement de l'inventaire physicalisé, personnellement ça me fait mal. Mais tu passes à côté du message principal, Sayaka. C'est normal que ce soit lourd et pas pratique d'utilisation. Enfin, lourd et pas pratique d'utilisation, à mettre entre grosses guillemets. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal d'avoir... que le jeu soit pas simple. Il a été, de base, vendu aux backers la première heure comme ça. Avec des conséquences, avec de... un rythme qui est long. Enfin, c'est... Là, ce retrait, ce rétropédalage de la part de CIG, sans déconner, à la même, de la même manière que l'intégration de des Master Mode, le TTK qui a été rallongé, etc., le fait de pouvoir respawn de façon indéfinie et sans conséquence sur un IT3, notamment sur l'Ursa Medivac, moi personnellement je vis ça comme un gros doigt d'honneur de la part de CIG aux backers la première heure qui ont soutenu le projet alors qu'il n'y avait que des mots dans le vent à l'époque, et qui ont amené le projet tel qu'il est aujourd'hui. Je vis ça comme un gros doigt d'honneur de la part de CIG à tous ces backers-ci qui cherchent un jeu qui demande de l'investissement. C'est ça en fait, Sayaka, que je souligne. Et ça fait des mois que je le dénonce. Cette casualisation extrême de Star Citizen me casse les couilles. Et donc cette essence Deltoïde, et cette essence Capi, et cette essence Logdi. C'est un gars qui dit un jeu peut être lent et complexe, mais avoir de l'ergonomie et être intuitif. En l'occurrence, je suis désolé de te dire ça, Sayaka, mais l'interface qu'on avait était intuitive. Elle était même ultra qualitative, en vrai. Les jeux ayant des très mauvaises interfaces ne deviennent pas les bons jeux pour cela. Je suis d'accord avec toi. Mais en vrai, l'interface qu'on avait avec les écrans par rapport aux bornes était mille fois plus intuitive et mille fois plus agréable à utiliser que l'interface qu'on a actuellement. Et cette ascension simplex. Astarza qui dit après, de leur côté, ils ont peut-être changé de vision, ils cherchent à cibler beaucoup plus de joueurs. Oui, mais dans ce cas, c'est encore plus une trahison. Hop. C'est encore plus une trahison envers les backers la première heure. Comme je le disais, moi, c'était quelque chose que j'avais déjà émis comme crainte il y a quelques années, mais qui malheureusement se concrétise de plus en plus, c'est que CIG casualise à outrance Star Citizen. Alors c'est bien pour le pognon, hein. Mais enfin... C'est-à-dire, imaginez, juste prendre 30 secondes, imaginez demain From Software vous dit, écoutez, on va sortir Dark Souls 4 ou Elden Ring 2. Ok ? Vous attendez à quoi quand vous allez prendre Dark Souls 4 ou Elden Ring 2? Un jeu qui va être challenging. Il va vous demander, qui va pas vous tenir par la main, qui va vous faire cracher du sang, ou vous allez en baver sur le premier boss, il va vous refaire le fiac, quelque chose de bien. Et là vous le lancez, et vous one-shotez tous les ennemis, y compris les boss. Et les ennemis, quand ils vous tapent, ils vous retirent 1% de points de vie. Et le level design serait à chier parce que ligne droite complète, sans aucun passage secret, ni secret d'ailleurs au passage, parce que on veut pas frustrer le joueur. En gros, qu'il soit casual, le jeu. Mais à son extrême. Comment vous pensez que les joueurs réagiraient?
Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça, Sayaka? Ça t'a semblé con. Sarza qui dit pour l'instant le jeu est toujours en alpha donc rien n'est fixé dans le marbre. Je suis d'accord avec toi. Mais la direction que prend CIG par rapport à la casualisation de Star Citizen me dérange. L'autre qui dit, comme pour tout, faut trouver un compromis. Je suis d'accord. Et je trouve que le compromis qu'on avait avec justement les bornes d'inventaire avec l'interface était quand même vachement plus travaillé. Je veux dire, ça demandait littéralement deux clics en plus. Ça demandait juste deux clics en plus. Quand je dis deux clics en plus, je ne plaisante pas. C'était move to drawer, open drawer. Deux clics. Les gens chialent pour deux clics. Quand même balèze. Sadaka qui dit, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger justement. Je pense qu'Elden Ring a une mauvaise interface. Pensée pour la console, mauvaise sur PC. Pardon. Moi je pense vraiment que Star Citizen peut être complexe, intransigeant à avoir de l'inventaire localisé, mais une bonne interface et ergonomie. Mais c'est là qu'on n'est pas d'accord en fait, Sayaka. C'est que tu es persuadé et tu dis que l'interface qu'on avait par rapport à ces écrans n'était pas ergonomique. C'était à la fois ergonomique et diégétique. Ça, c'est un putain de gros avantage, quand même. À la fois pour l'immersion. Et pour l'utilisation. Et dire que Elden Ring est pas pensé pour le PC, je suis pas d'accord. On va dire ça à Chalukao. Chalukao, il a fait tout Elden Ring avec clavier souris. Un Pride qui dit l'interface qui a été retirée était surtout immersive et VR-ready et me plaisait bien. Bah, c'est vrai que pour le coup, pour la VR, c'est pratique ce genre d'interface où t'as directement sur l'écran, c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est un élément auquel moi j'y ai pas pensé, je te cache pas, Nil. Mais en effet, on est d'accord, elle était totalement immersive parce que totalement diégétique. Voyons voir. Contrat. Nous disions Howling. On va éviter tout ce qui est Virus Arbor. Et tout ce qui est station d'ailleurs dans l'ensemble au passage. Même si HURL2 vers HURL3 c'est jouable hein, en soi. S'amuser. Mais j'aimerais bien rester aux alentours de Hearthstone plutôt que de faire les grands trajets. Portrait Slayer vers Virus Arbor, non. Et Virus Arbor vers Tessa Spaceport, non plus. Et vers Farnsworth, non plus. Virus Arbor. Et Virus Arbor. Et Virus Arbor. Putain, hé. Et Virus Arbor. HURL2 et Virus Arbor. Et Virus Arbor. Je peux pas me passer autre chose que du et Virus Arbor, s'il te plaît. Seraphim Station, c'est encore plus loin, vas-y. HURL1 et Virus Arbor. Putain, HURL3 et Virus Arbor. HURL5 et Virus Arbor. Et Virus Arbor, Sakura. Virus Arbor. Et Virus Arbor. Putain, mais. Avec toutes les missions que j'ai, tu vas pas me dire qu'il n'y en a pas une qui part de ailleurs que Tisa Spaceport ou Virus Arbor. Port Wrestler. Non. C'était laquelle qui était HURL3, HURL2? Honnêtement, est-ce que c'est pas malheureusement impossible de faire un MMO aussi complexe que Star Citizen avec du CR meshing sans passer par la casualisation du jeu? Bloody Crates, le modèle de vol, etc. Tout se casualise. Je pense que les serveurs ne peuvent pas gérer tout ça. Je demande trop de choses. J'ai toujours du mal à croire au projet MMO de CIG, mais bon, on verra. Il n'y a absolument aucun rapport entre la casualisation d'un jeu et le tick rate, modèle de vol, etc.
Surtout entre le tickrate et les performances côté serveur et la casualisation. Là, pour le coup, il n'y a absolument aucun rapport. C'est-à-dire que, si je comprends bien ce que tu sous-entends plutôt, c'est est-ce que c'est possible pour CID de faire vraiment un jeu aussi complexe que Star Citizen qui se repose sur le financement des joueurs et de faire en sorte qu'il ne soit pas casual? C'est le risque. Et c'est d'ailleurs ce risque-là que je soulignais déjà il y a quelques années. Taka qui dit, tu vois, exemple de problème d'ergonomie, tu dois lire toutes les missions pour savoir laquelle commence ici. Certains pourraient argumenter que c'est immersif, que le jeu ne doit pas être casualisé, mais ça reste une mauvaise interface qui a besoin de fonctions de recherche par emplacement. Je suis d'accord. Fonction de recherche qui était présente pour ce qui était de la borne d'accès. Mais il n'empêche quand même par rapport à ça, ça dégage. Je fais le parallèle entre la borne d'item et les missions. Tu vas voir, ça va être un parallèle ultra simple pour que tu comprennes mon point de vue par rapport à ça. La borne d'item qu'on avait avant que CIG fasse le dernier patch, grosso modo, c'est comme si on avait là pour la Mobi Glace et mission, donc les différents types de missions, mais surtout un onglet de recherche qui permettrait de trouver ou au moins de classifier tes missions en fonction de la récompense ou du type de mission. Et tu dois quand même sélectionner ta mission, l'accepter. Là, avec le dernier patch que CIG a mis en place par rapport à tout ce qui est interface utilisateur pour les items, c'est tu ouvres ta Mobi Glace et ta mission est déjà acceptée. Ça accepte automatiquement ta mission. T'as pas besoin de choisir quoi que ce soit. C'est ça le problème que j'ai actuellement. Alors, évidemment, c'est poussé à son extrême. Je parodie, je grossis le trait. Mais c'est dans ce sens-là, tu vois. C'est ce côté vraiment guidé par la main. Taka qui est entièrement d'accord avec toi que la fonctionnalité de recherche est primordiale comme stock all qu'on attend toujours, et je serais probablement plus indulgent avec la nouvelle interface si elle avait un stock all. Ça, de toute façon, par rapport à ça, CIG a toujours eu du problème par rapport au fait de pouvoir stack les items. Je parle même pas du nombre de fois où c'était réclamé. Et en effet. Quoi qu'il en soit, Sayaka, j'en démords pas. Hein. L'interface qu'on avait avant le dernier patch, avant l'avant-dernier patch techniquement, du PTU, était vraiment exceptionnelle et ultra immersive. Ok. Bah, faut que j'aille. Enfin, de l'autre côté, carrément. Onyx qui dit, Derko, est-ce que tu penses vraiment que CIG a simplifié le modèle de vol pour satisfaire les joueurs ou est-ce que c'est plutôt une contrainte technique liée au serveur qui a poussé à éviter un modèle de vol trop complexe? Bah justement, le modèle de vol a été complexifié. Onyx, bon, déjà primo, ça va à l'encontre de ce que tu penses. Et ensuite, c'est vraiment, quand tu regardes toutes les modifications que CIG a apportées, c'est clairement dans une seule et unique dynamique, un seul objectif, c'est faire en sorte que les joueurs qui ne veulent pas faire d'affrontement puissent éviter tout affrontement que ce soit. L'augmentation massive du TTK, le fait de pouvoir être en nav mode sans jamais être inquiété par un joueur qui lui sera en SCM, clairement, la personne qui n'a pas envie de faire le combat sur SC, aujourd'hui, elle est peinarde. Donc oui, je confirme, c'est bel et bien par rapport aux joueurs, et surtout c'est par rapport à cette casualisation. Et c'est ça qui m'énerve. CIG a toujours prôné le fait que toute récompense venait avec un risque,
plus le risque était élevé, plus la récompense serait élevée. Sauf que CIG est en train de retirer tous les enjeux et de faire en sorte que, bah, malgré le fait qu'il n'y ait plus de risque, il y a toujours les récompenses. C'est là. On descend ça. Voilà, là ce que je viens de faire, c'est rigoureusement ce qu'on devait faire pour pouvoir s'équiper. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, putain la vache. Peut-être que j'ouvre le... Que j'ouvre la porte. La porte, histoire d'être tranquille. Glace ouverte, ça marche mieux en général. Oui, pour charger, en effet, c'est plus efficace. Une tonne de silicone là-dedans. Ouais, donc... Avec ça, on peut faire de la chirurgie esthétique. Hein. Surtout juste par rapport à ça, Onyx, hein. Je rappelle que le modèle de vol qu'on a là actuellement, qui a été intégré en 3.23, CIG l'a initialement pensé justement pour Squadron 42. Ils l'ont pris sur de Squadron, ils l'ont intégré à SCV. Donc oui, donc clairement, on est sur la casualisation et pas de limitation côté serveur. Je rappelle que Squadron, c'est un jeu solo. Ce bug du vaisseau qui cycle les modes alors que je suis au sol. Et merci Théo pour le follow, merci beaucoup. Ok. Et les deux dernières boîtes. Et ensuite on va pouvoir aller sur HRL3.
Ok. Je se bug aussi. Ouais, c'est un bug qui est commun à tous les vaisseaux. J'avais ça aussi avec l'Avenger, c'est... Tu t'éloignes, tu reviens, et puis il commence à faire ce bruit de cycle. C'est un bug audio, et dès lors que tu recycles de ton côté en manuel, que tu passes de SCM à Nav Mode, ça se barre. Et après, ça revient. Ça s'en va et ça revient, ça fait de tout petit rien. Faut que j'arrête avec les références de vieux comme ça, hein. C'est pas... C'est ça, Ziltoïd. C'est comme une chanson populaire, exactement. Donc elle est partie pour 27 millions de kilomètres. Bah écoutez, hein. Nickel. Peut-être faire la route tout de même. En fait, Sayaka, je reviens juste viteuf par rapport à ça. Hein. C'est pour moi, c'est juste une goutte d'eau en plus qui va dans le sens de la casualisation de Star Citizen. Et c'est en ça que ça me frustre encore plus en fait. C'est juste ça. C'est la raison qui fait que CIG a fait un pas en arrière, c'est parce que t'as des putains de Jean-Kevin 12 ans qui sont en mode ouin ouin, je veux aller vite. Et CIG a dit bon bah ok, on vous cède. Et comme je le disais, tu mets tout bout à bout avec le fait de pouvoir respawn dans un lit T3. Tout ce qui est l'allongement du TTK en vaisseau, même en FPS au final. CIG a admis eux-mêmes qu'ils voulaient pas que ce soit frustrant le FPS, donc ils ont allongé le TTK. Le Master Mode, etc. Enfin, c'est un tout en fait. C'est ça qui rend le. C'est quoi dire, mais qui m'écœure par rapport aux décisions que prend CIG. On s'éloigne de plus en plus de la vision du projet qui personnellement m'a convaincu. Qui a fait que j'ai foutu de l'argent et des billes dans le projet. Et qui fait que depuis pas mal d'années déjà, je fais du contenu sur Star Citizen. Faire le parallèle avec un autre jeu auquel j'ai joué, qui a longtemps fait partie de mon contenu à la fois sur YouTube et à la fois sur Twitch, c'est World of Warships. World of Warships, un jeu qui est sur le papier, est putain de génial! Et c'était sur le DAG. Mais derrière, avec tous les revirements que Wargaming fait, en mode vous inquiétez pas, il n'y aura jamais de calibre plus haut que le 460 mm et les seuls navires qui sont équipés de 460 mm, c'est les navires de classe Yamato. Je dis bon bah c'est cool, c'est-à-dire que mon blindage de 32 mm, il pourra servir à quelque chose pour pouvoir lutter contre la plupart des adversaires. Boum, on sort des navires qui sont en 506 et 510 mm. Donc qui va mettre le blindage. Donc ça sert plus à rien. Vous inquiétez pas, il y aura jamais de navire plus puissant que le tier 10. Boum, on sort le tier légendaire. On appelle ça tier légendaire parce qu'on ne veut pas dire tier 11, parce qu'on m'a toujours dit qu'il n'y aurait jamais de navire plus puissant que les tier 10. Promis, on va faire en sorte de retravailler les porte-avions pour qu'ils soient plus équilibrés. Boum, river de porte-avions, résultat, ils sont encore plus puissants qu'avant. Promis, il n'y aura jamais de sous-marin qui va arriver. Boum, sous-marin.
Au bout d'un moment, bon, désolé, hein, mais prendre un cactus dans le cul, c'est pas tout à fait mon style. Donc j'ai préféré quitter le navire, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, c'est le problème qu'il y a par rapport à Star Citizen, c'est que toutes les promesses qu'ils ont fait initialement, ils sont en train de petit à petit toutes leur tourner le dos. Et ça me casse les couilles. Je suis en train de voir le projet qui m'a fait rêver juste sombrer dans une bouillie qui, je sais, me fera plus rien ressentir. Parce que trop casualisé, trop simpliste, on veut pas froisser le joueur. C'est. Phoenix qui dit manque plus que ceux de Benink et on a la totale. On n'en est pas loin. Daka qui dit honnêtement, je pense qu'on est revenu à l'ancienne interface, pas dans l'idée de simplifier le jeu, mais juste parce que c'est la seule autre qu'on avait sous le coude. Dans ce cas, pourquoi avoir retiré l'interface actuelle? Enfin, l'interface qu'on avait jusqu'à il y a deux patchs. Ils auraient juste pu dire, ok les gars, on vous a compris, on va rebosser sur l'interface, mais pour l'instant, faites avec celle qu'on a. Tu vois, c'est ça le problème que j'ai avec la situation en Sayaka. C'est que là, on est clairement face à les Wanwan, ils ont gagné. Et vu que CNG communique pas sur le fait que ce rétropédalage est temporaire ou permanent, mais étant donné que CNG a déjà prouvé par le passé qu'ils écoutaient les Wanwan de façon permanente, ouais, ça me casse les couilles. Parce que moi et beaucoup d'autres joueurs la trouvent horrible, mais oui, je suis d'accord, ils auraient dû la retravailler, pas la retirer. Alors, beaucoup d'autres joueurs, permets-moi d'en douter. Je pense que tu vas dire, d'autres joueurs excessivement volubiles la trouvaient chiante. Pas beaucoup d'autres joueurs. C'est toujours comme ça de toute façon, Sayaka. C'est la minorité volubile, bruyante, qui fait chier tout le monde. Notamment la majorité silencieuse. Il y a qu'à voir sur Helldivers 2. Helldivers 2 en ce moment c'est à feu et à sang. Pourquoi? Parce que ouin ouin, ils ont nerfé mon fusil à pompe incendiaire. Ou alors, ouin ouin, ils ont nerfé mon lance-flamme. Faut arrêter au bout d'un moment. Doc dit surtout que techniquement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont pu tester cette interface vu qu'elle s'est fait retirer avant l'Open PTU. Tout à fait. C'était vague 2. C'est tout. Nastasok qui dit personnellement, j'ai même pas compris pourquoi ils l'ont retiré. Moi, j'ai testé une fois prise en main, il n'y a aucun problème, c'est pratique, aussi rapide que l'ancien. Je suis d'accord, même plus pratique puisque t'as un moteur de recherche. Sauf que ça demandait de faire deux clics en plus. Littéralement deux clics en plus. Je l'ai montré tout à l'heure. Et donc c'était trop lourd. Résultat, les joueurs ont fait moins moins. Ouais, c'est ça, Zayman. Moi aussi, ça me fait mal au derge de penser à ça. Hein. Zayman qui dit petite pensée aux personnes qui ont travaillé sur la nouvelle interface. C'est ça. Le cœur qui dit le problème, c'est que la minorité bruyante, c'est les Wanwan qui veulent un jeu casu, alors que la majorité silencieuse est contente d'avoir un jeu complexe. Exactement. Et cette façon, ma copinette. À la manette, ça donnait quoi? Je sais pas, parce que si tu joues à un FPS à la manette, ou même à Star Citizen juste à la manette, en vrai, c'est que t'es un sacré mazo. Je veux dire, je répéterai jamais assez, hein. Tu penses qu'il y a assez de touches sur une manette pour pouvoir jouer à Star Citizen? Sachant que là, sur un clavier, il y a déjà certaines touches qui ont trois fonctionnalités différentes en fonction de la situation. Vraiment.
Sauvegarde joue pas à la manette. Sauvegarde jouait, bon. Je rappelle que la première fois qu'il a piloté un vaisseau, il a fait 10 mètres avec avant de se manger un astéroïde. C'est la première fois qu'on voyait un vaisseau voler dans Star Citizen. Je me rappelle, c'était un Hornet. C'est vrai que les joueurs mécontents sont toujours plus bruyants que les contents, mais c'est pas pour autant qu'il faut ignorer les critiques. Ouais, mais le problème, c'est que CIG est allé beaucoup trop vite en besogne. Et surtout, a fait un rétropédalage qui, comme je le disais, va clairement dans le sens de la casualisation qu'ils ont déjà entamé il y a quelques temps déjà. Et surtout, écouter les critiques, je veux bien. Mais quand ça les arrange, la critique qu'il y a eu par rapport au F8C, la critique qu'il y a eu par rapport au F7A, etc. Il me semble pas que CIG avait grand chose à foutre de ça, hein. Pas sûr, hein. Pas convaincu. Avec le locker qu'il y a tous les coups, tu vas sur Spectrum, tu vois des posts de gens qui chialent parce que ils peuvent pas jouer manette à cause de trop grand nombre de touches. Alors déconne pas, Nuage, enfin Cloudwalker, j'ai eu un viewer qui il y a pas si longtemps était en mode il faut impérativement que CIG travaille sur l'ergonomie manette parce que c'est un joueur là à la manette depuis la 3.23. Voilà voilà. Donc oui, il y en a des comme ça. La copnette qui dit juste la manette, mais perso je trouve que CIG a lâché très vite pour ce rétropédalage. Je suis d'accord, même trop vite. Beaucoup trop vite. En vrai. L'esprit jouer à Star Citizen à la manette, c'est comme piloter un vaisseau avec une fourchette. Techniquement, c'est possible, mais bon courage pour atteindre les étoiles. Oui. On est d'accord. Et cette façon, Joby. Claude qui dit, c'est pas la mort de jouer clavier souris quand même, je joue clavier souris sur SC et j'ai aucun problème. Oui mais il y en a plein hein, qui jouent clavier souris. Pas problématique, et puis de toute façon, quand t'es en FPS, dans tous les cas tu dois jouer clavier souris. Je rappelle que si jamais vous jouez un FPS à la manette, Dieu tue un chaton. Ça se fait pas hein. Mais cette façon suprême, on peut avoir un jeu complexe qui se joue sur manette et salut. Oui, je suis d'accord avec toi, mais faut faire des compromis par rapport à ça. Pas oublier que si jamais tu joues manette, t'auras moins de capacité que si tu joues clavier-souris. Un jeu qui est designé de base pour être joué clavier-souris. Un exemple simple, tu prends n'importe quel FPS, tu retires la M6 de la manette, tu mets un joueur clavier-souris contre un joueur à manette, tu vas être sûr et certain que le joueur clavier-souris va foutre un 20-0 au joueur manette. Sûr et certain. Et le problème justement, c'est que les éditeurs écoutent les joueurs à manette, résultat on se retrouve avec un aim assist dégueulasse à la manette maintenant, qui est beaucoup plus efficace que n'importe quel aimbot qui peut se retrouver, ou un joueur clavier souris. Mais bon. Ça va, là c'est un aimbot qui est légal vu que c'est intégré au jeu.
Mr. Gandalf qui dit FPS à la manette, on peut dire que la sélection naturelle vient à manquer dans ce monde. Et bonjour à tous, salutations Mr. Gandalf. Et je suis d'accord avec toi. Joby qui dit, je suis du même avis sur les positionnements de CIJ. Ouais, moi c'est ça qui me dérange en fait par rapport à ça. Et là, CIJ vraiment, t'as l'impression, ces derniers temps, ces derniers mois, voire ces dernières années, CIJ tourne le dos en fait au backer de la première heure. Allons, 7 à 100 Belmaris. Le deck qui dit c'est pour ça que le crossplay c'est pas si magique en fait. Ah bah là, en plus, le pire c'est qu'un joueur en manette, tu peux même pas lui dire, vas-y appuie sur insert s'il te plaît. Pour le coup, c'est comme je disais, c'est un bot qui est intégré au jeu, donc bon. Eh ben. Voilà. Je voulais pas se déployer. Ce qu'il dit, je pense que c'est déjà des trucs importants à coder, plus important à coder que l'aim assist pour les manettes. En même temps, en vrai, si jamais ça dit un jour intègre un aim assist à Star Citizen, ce sera le moment de quitter le navire, hein, les gars, j'annonce. Direction Hearthstone, on y retourne. Elle est déjà sur notre sniper, les vaisseaux. Ah ouais. Mon sniper, je l'ai testé, j'étais en mode I. De la merde. Supreme qui dit c'est business, limite logique, qu'ils tournent leur veste, même si je suis contre. Je suis d'accord avec toi, et comme je le disais, c'est un problème que j'avais déjà soulevé il y a quelques années. Où je disais qu'une crainte que j'avais, c'était la casualisation de Star Citizen. C'est-à-dire que, pour vous dire, la première fois que j'ai abordé ce problème de crainte de casualisation de Star Citizen, c'était lorsque CIG a intégré les quantum courbes. Mais pas n'importe quelle quantum courbe. Les quantum courbes atmosphériques. Parce que, gardez en tête que, passé un temps, si vous étiez au niveau d'un astre, une planète ou une lune, les seuls points de saut que vous aviez, c'était les OM. Et le reste, vous deviez le faire en navigation conventionnelle. Ok, c'était un petit peu long, et en effet, en prévision de Crusader, bon, voilà, c'est un peu limite. Mais CIG, par la suite, a mis en place donc les quantum courbes, qui permettaient de sauter sur des points d'intérêt tels que les avant-postes, les bunkers, même les villes. Sauf que ce quantum-là, déjà, vous ne pouviez pas passer en quantum en étant atmosphérique. Et en plus de ça, lorsque vous faisiez un quantum courbe, le quantum vous arrêtait à la limite de Kármán, c'est-à-dire à la limite de l'atmosphère de la planète. Vous ne rentriez pas en quantum dans l'atmosphère de la planète ou de la Lune. Et donc vous deviez faire, typiquement pour Hearthstone, une centaine de kilomètres en descente pour arriver au sol. Suite à ça, il y a des joueurs qui ont dit: ouais, mais moi j'ai mon gros vaisseau, je mets trois plombes à sortir de l'atmosphère, donc bah c'est chiant, CIG, corriger ça. Ok, bah CIG a fait en sorte qu'on puisse partir en quantum à partir de 10 km d'altitude. Et qu'on arrive à 20 km de la cible lorsqu'on fait un quantum court vers la planète ou vers la Lune, peu importe l'intérêt. Je me rappelle de ça, c'était à l'époque de la 3.5, si j'ai pas de bêtises. Et je me rappelle déjà qu'à l'époque, j'étais en mode, c'est casse-couille parce qu'on Starstone se casualise méchamment. Et c'est pas bon pour la suite. Force est de constater
je semblerais que malheureusement, cette crainte se matérialise de plus en plus chaque jour. Et ça t'assomme du mat. Ça t'assomme sa jouque. Ouais, alors Berserkir, c'est vrai qu'il y a les Quantum Planet. Bon, ça, c'est toujours été. Voilà. Première version de Quantum Com, ça va, c'était pas trop casu. Oui, non, c'est ça. C'est tu devais sortir de l'atmosphère pour pouvoir passer en Quantum, et ça t'amenait à la limite de l'atmosphère de l'astre, et tu devais faire le reste en vol conventionnel. Très bien. Mais bon. Et ça t'assomme, Kenzel. Dire quoi en Corsair ou Drake en général, c'est étonnant. Le Corsair, c'est pas la première fois que j'utilise. Je l'ai beaucoup utilisé fin l'année dernière pour faire des missions de chasse à la prime ERT. Mais là, en l'occurrence, c'est un vaisseau que je trouve qui est assez pratique. Vu que j'ai utilisé, j'ai l'habitude de l'utiliser. C'est un vaisseau qui, je trouve, est assez pratique pour tout ce qui est mission de cargo. Et vu que c'est ce qu'on va tester aujourd'hui, ben voilà. Clem qui dit sur la mission Mercenaria, c'est sympa. Bien souvent, tu n'as pas de point de saut, il faut faire plusieurs centaines de kilomètres à la mano. Je suis d'accord. Pour te dire, il y avait même les missions Retrieval Hop qui t'amènent sur les avant-postes abandonnés, pas les clandestins, les abandonnés. Tu peux pas sauter sur les avant-postes abandonnés parce que, bah, ils sont abandonnés, donc c'est pas. Voilà. Bah, des fois, tu dois faire dans les 600 bornes en vol conventionnel. Je trouve que c'est vraiment très, très cool comme système. Il y avait même à l'époque des missions de livraison qui demandaient de faire le tour de la planète sans quantum. Parce que tu devais transporter les ressources qui étaient sensibles au quantum. On va pas l'avoir passé, je crois, une heure à transporter trois caisses. Juste comme ça, je kiffais en fait. Daka qui dit le fait de pouvoir se rapprocher autant avec les quantum courbés, c'est pas juste en attendant le quantum boost. Bah, le problème, c'est que, comme je te disais, ce truc de quantum courbe atmosphérique, c'est quelque chose qui a été intégré en 3.7 à l'époque. Modèle de vol que CIG avait prévu devait rester tel qu'il était jusqu'à la 3.23. Et enfin, le modèle de vol qu'on a eu jusqu'à la 3.23 exclu, excusez-moi plutôt, devait être le modèle de vol final. Donc, c'était pas envisagé d'avoir le quantum courbe. Enfin, le Quantum Boost, excuse-moi. Donc, je veux dire que c'était bel et bien un soit de casualisation du Quantum. C'est ça que la Dolker, c'est que c'est un cercle vicieux. Comme Sarsen est de plus en plus populaire, il attire de plus en plus de gens Kevin qui ensuite vont chialer sur Spectrum. Exactement. C'est un cercle vicieux. Et non, ça a été sur CGM. Donc, on a 37 missions. Comme je disais, tout ce qui est virus Arbor, on va éviter. Gringless Station, on va éviter aussi. Parce que... Voilà. Pas envie de refaire une traversée de Stanton. Arbor, virus Arbor. Seraphim Station, c'est encore plus loin. Virus Arbor. On va avoir des missions. Planétaire juste. Non, c'est uniquement station à station ou de station au sol. On peut avoir entre deux avant-postes. Ouais, je pense à refaire le plein d'ailleurs au passage. Hein. J'ai pas mal d'hydrogène. De quantum. Bon, allez, Evios Arbor, Farnsway. Hop. Donc, le cœur qui dit le problème, c'est que faut pas trop frustrer le joueur s'il ne se barre et ne donne plus d'argent pour le projet. Oui, non, ça, on est d'accord. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que. Quelqu'un en parlait dans le chat et je suis d'accord avec lui. C'est que, en effet, pour pouvoir avoir plus d'argent pour continuer le financement de Star Citizen,
CIG se doit de casualiser le jeu, et c'est pour ça que c'est un truc que j'avais déjà soulevé il y a quelques années, en expliquant que c'était un risque pour le projet de CIG. Cette casualisation, et que ça me dérangeait plus qu'autre chose. 24. Pourquoi l'émission de 100 SCU paye autant que l'émission à 10 SCU? Bonne question. Parce que pour l'instant, l'économie n'est pas encore bien équilibrée par rapport aux missions. Tranquilis, comme tout, tu commences par passion et tu finis pour l'argent. Enfin, il y a quand même des limites par rapport à ça. Y a un juste milieu. Logger qui dit perso, je fais l'émission de hauling avec le C1. Mais malgré le réservoir de plus de 3000 litres de Quantum Fuel, une traversée de 100 tonnes pompe la moitié du réservoir. Va peut-être falloir que je pense à aller sur du Atlas pour l'océan. C'est un taille 1 le moteur de sol du C1? Sérieux? C'est même pas un taille 2? Pourtant il est de la taille du Cutlass. Cutlass aurait du taille 2. Oh non, c'est un taille 2, ok. Dans ce cas, prends le crossfield. Le Walker, le crossfield est très bien. L'Atlas, c'est un taille 1. Pas compatible avec le C1. Crossfield, c'est du militaire, mais il n'empêche quand même que... il fait le taf. Excellent, c'est le GOAT. Bah lui, excellent, le problème c'est qu'il consomme quand même pas mal. Hein. Il est rapide, mais il consomme pas mal. T'as les Jaeger de base sur le C1? Attends, on va regarder. On n'est pas pressé donc. Hop. Là en plus, visiblement, vu que Star Sun fonctionne, mine de rien, ça veut dire que potentiellement ce qui avait été émis comme hypothèse hier, à savoir que on aurait peut-être une version live d'ici ce week-end, enfin d'ici vendredi, bon au final c'est pas si déconnant que ça. Nous disions. Crusader Industries. Le C1 Spirit, c'est un Jaeger, ouais, qui consomme quand même pas mal. 250 000 km par seconde, c'est quand même assez énervé. Comme je disais... Alors d'ailleurs, le Jaeger, t'as 163 000 km, 163 millions de kilomètres d'autonomie, ce qui est quand même pas mal en soi. Pas sur le Crossfield, tu passes à 180 000 millions de kilomètres d'autonomie, ce qui est bien, mais bon, voilà. Et comme on le disait, le XL1... pas beaucoup mieux. Et c'est à son derby. Mon FPS serveur de ton côté. Je vous dis ça. Environ entre 12 et 14. Donc, serveur FPS stable. Ouais, c'est pas automatique. Biotique, les portes sont pas automatiques. Ah, la M50 s'est fait battre. Dommage. C'est quoi le vote du jour, au passage? Voyons voir.
Ouais, le M50, ça, il s'est fait mal de pas grand-chose, malheureusement. Les 2000 votes de différence, c'était serré en soi. C'était serré. Et Eric Lemer contre Vulture, ouais. Ça va être le Vulture qui va l'emporter, hein. Info sûre. Quelqu'un qui dit dimanche j'étais sur un serveur à 5 FPS, c'était la souffrance. Hier j'étais sur un serveur à 3 FPS. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'inertie au niveau des caisses et c'est bien, c'est une bonne chose. Claude qui dit le métro m'a lâché dans le vide une première fois à cause d'un changement de serveur post-crash et deuxième fois à cause d'un bug. Au moins il y avait le métro. Je compte même plus le nombre de jours où je me suis retrouvé sans métro dans Star Citizen. Comme qui dit hier, moi sur un serveur on était 4 30 FPS du jamais vu. Ouais, pour le coup ça je l'ai déjà vécu, et quand tu fais pas gaffe que t'es sur un serveur à 30 FPS parce que vous êtes 5 pélos sur le serveur, et que tu dis ah je vais faire une petite mission mercenariat FPS, et que les PNJ te défoncent la gueule avant même que tu passes de... que tu décales derrière un mur. Bon, tu le sens passer. Hein. Peut-être tu regardais avant. Hop. Avec le cœur qui dit j'ai une fois le coup du métro qui n'arrive jamais, c'est frustrant. Ah bah moi je l'ai eu pendant 3 jours la semaine dernière, 3-4 jours la semaine dernière. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à un merveilleux road trip entre Lorville et HDMS El Monde. Avec une Dragonfly, au passage. Dragonfly Star Kitted. Et j'ai réussi. Et ça. J'en suis pas peu fier, cache pas. Et ça, t'as son le ski. Moyen d'aller au spatioport à pied. Ouais, mais après, je rappelle quand même qu'il y a plusieurs kilomètres entre les habitations et le spatioport. Ou alors faire une route. Une route que tu peux emprunter en véhicule. Avec des STV, des Ursa, des Dragonfly, des Nox, des Pulse. C'est bien ça. Ah oui, c'est vrai que maintenant on peut sauter que quand on est à 50 barres d'altitude ou moins. C'est pour l'intérêt. Voilà, Farnsway.
Ok, bon, on arrive. J'espère qu'on va avoir des missions avec un peu plus de cargo, des caisses plus grosses, parce que les caisses de la SCU c'est bien mignon, mais. Mais. Alors, Walker qui dit normalement les problèmes de métro sont patchés assez vite. 4 jours. 4 jours, la semaine dernière. Assez vite, assez vite. Ouais. Si tu t'appelles la SNCF ou la Poste, 4 jours, c'est rapide, hein, c'est vrai. Mais bon. Et cet assaut Kogan. Oh mon dieu, un vaisseau asymétrique. Ouais, t'as vu, c'est le Faucon Millenium. À la Suprême qui dit alors pour ton pari après ou avant à la fin août 724. Alors, le pari c'était par rapport à la 4.0. 4.0. Merci Kogan pour le réabonnement. 15 mois complet, merci beaucoup. Plop, bah plop à toi. Le pari que j'avais avec Dayum, c'était par rapport à la 4.0 live avant le 31 août. Alors, à moins que CID nous fasse vraiment une grosse surprise en mode. En fait, on a bossé comme des chiens et on sait que ça va fonctionner, donc on balance la 4.0 sur les serveurs live le 31 août, j'y crois absolument pas. Déjà. Moi, je suis plus en mode, est-ce que CIG réussira à nous balancer une 4.0 live avant la SeasonCon? Voire même ne serait-ce que PTU. On en est là plutôt. Donc 700 skins et 700 Tazola. Claude qui dit, j'hésitais à prendre un KTR pour faire des missions de hauling, mais je me dis que ça va être un petit peu gros. Bah le truc c'est que le Kater est franchement cool, mais contrairement à un Corsair, le Kater vraiment pour l'exploiter à 100%, faut des très grosses capacités à transporter et surtout c'est plus intéressant d'être à plusieurs. Vraiment. Quelqu'un qui après 3.24, j'ai pas planté hier. Oui, mais bon, ça, il y a eu un patch ce soir. Enfin, hier soir, plutôt. Donc, ça va. Saka qui n'a aucune chance pour que la 4.0 arrive avant la CitizenCon. On galère déjà avec la 3.24 qui n'arrive pas à sa cheville en termes de complexité. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur un point, sur la complexité de la 4.0 par rapport à la 3.24. Dans le sens où CIG a déjà fait les tests par le passé du Serra Meshing, et que c'était fonctionnel, en soi, et c'est vraiment le point le plus complexe intégré sur la 4.0. Et CIG a toujours été assez clair par rapport au Serra Meshing en lui-même, c'est clairement la technologie la moins compliquée à intégrer à Star Citizen. Quand tu compares par exemple aux technologies sous-jacentes à la 4.0, enfin au Serra Meshing, telles que le PES ou encore les couches d'application. Donc, en vrai, je te rejoins sur un point, c'est que la 4.0 live avant la CitizenCon, j'y crois pas du tout. Mais au moins un PTU. Ouais. 4.0 sera peut-être plus simple car moins de bugs bloquants, peut-être. Après, le risque qu'il y a, c'est que si CIG se goûte de sortir la 4.0 sur le serveur live, même si elle n'est pas prête. Juste pour dire, c'est bon, on l'a sorti à leur CitizenCon, c'est bon, arrête de faire chier le monde. C'est un risque. Supreme qui dit prévu pour quand la CitizenCon? Fin du mois d'octobre.
Le 21 ou 23 octobre, je sais plus. Sachant que CIG nous a déjà teasé il y a quelques mois en mode pour la StationCon 24, vous êtes pas prêts. Faut croire que eux non plus. L'autre qui dit en espérant qu'ils mettent pas juste un serveur Stanton et un serveur Pyro, mais j'y crois pas les masses. En fait, je pense que si CIG va brusquer la 4.0, la sortie de la 4.0, il y a des chances que c'est comme ça qu'ils veulent faire. C'est-à-dire mettre un serveur juste pour Stanton et un serveur pour Pyro. Et ce serait que après coup, une fois qu'ils ont sorti la 4.0 en mode c'est bon, arrêtez de faire chier le monde, elle est sortie. Que là il sortirait une 4.1 avec plus de serveurs par système stellaire. Possibilité. C'est une possibilité, en vrai. Et que ça coïncide plus ou moins avec la sortie de. Enfin avec l'arrivée du de la CitizenCon. Ok, ça c'est validé. Terme de réputation, j'en suis ouf. Kovalex, je suis encore en rookie. Ok, faut que je fasse quelques petites missions pour pouvoir gagner de la réputation et choper des missions peut-être plus intéressantes. J'ai pas de mission qui me demande de. Port Tressler, US Harbor. US Harbor, Tisa Spaceport, Cassillon. Ça, juste pour le plaisir, j'ai envie de le faire. Aller jusqu'à Pyro. Enfin, jusqu'à. La nébuleuse de Pyro, pour être exact. 14 SCU de matériel agricole. Et cet ascenseur de la flex. Cœur qui dit, perso j'aime bien les missions de Howling, mais ça manque de missions avant-poste vers avant-poste et spatioport vers station ou avant-poste. Il y en a quand tu montes un petit peu en réputation normalement. Pyro est trouvé en PTU? Non. Là c'est la 4.0 Solaflex. Mais là on a une mission qui nous demande d'arriver au niveau de la nébuleuse qui nous mène à Pyro. 4.0 c'est pas encore un petit moment. J'ai cette mission là aussi. Ouais, j'ai même vu quelqu'un sur Discord qui avait posté un screen d'une mission comme ça, où il devait transporter, je crois, plus de 2000 SCU, donc avec un LC obligatoirement. Ou alors en plusieurs fois, bien entendu. Et qui l'amenait justement d'une station vers le trou de ver de Pyro. Skin qui lui, un point de vue technique, ça semble logique et censé le faire un déploiement grandeur nature avec simplement un serveur par système stellaire, avec le trou de ver qui permet d'avoir une mini zone tampon pour permettre d'avoir du temps pour être sûr que le transfert de données se fasse correctement de manière invisible. Je suis d'accord. Et le problème justement par rapport à ça, Skinfaxia, c'est quelque chose que j'expliquais déjà il y a pas mal de temps, enfin, il y a quelques mois déjà, c'est que beaucoup de personnes s'imaginent que la 4.0 va transfigurer Star Citizen. Dans le sens où ça va révolutionner le jeu et le rendre totalement agréable à jouer, etc. Et moi je disais, bah, il y a de grandes chances que non, au final, qu'on ait toujours les mêmes problèmes côté serveur, de par l'architecture qui va être choisie par CIG à ce moment-là.
Et une fois éprouvé comme ça, faire des mèches dans le système. Je suis d'accord. Je te rejoins complètement. Ce serait, je pense, le moyen le plus rapide de sortir une 4.0. Car qui dit l'ULC est pas complètement cassé? Si, comme beaucoup de vaisseaux. Il y a beaucoup de vaisseaux qui sont cassés. Par contre, j'aimerais bien que les 14 SCU soient avec une boîte de 8 et des boîtes de 4, quoi. Boîte de 4 et boîte de 2. Là, si c'est 14 SCU en boîte de 1 SCU, ça va être vite casse-couille. J'ai volontairement pris le Corsair parce que un vaisseau qui est capable de prendre quand même 72 SCU, je crois, si je dis pas de bêtises, de ressources. Ça serait bien que je puisse vraiment l'exploiter, quoi. Ok. Point de vue joueur, ça semble dommage, mais je préfère cette solution, surtout pour avoir déjà eu des comportements non suspectés une fois en prod, je suis dev. Oui, donc clairement, bah, en effet, c'est ça va être de tester un petit peu la mécanique et de potentiellement corriger les problèmes qu'il pourrait y avoir parce que les joueurs pensent en dehors de la boîte. C'est un des gros points forts de Star Citizen pour le coup, ça, le fait que les joueurs cherchent toujours à repousser un petit peu les limitations de ce que CIG propose. Claude qui dit j'hésite à faire la mission de Howling en LA. Vu les problèmes de gris physique avec ce vaisseau, je préfère m'orienter vers un C1 et vers un C2 quand j'aurai les crédits pour. En soi c'est cohérent. Le C1 ça reste quand même un très très bon bestiau pour tout ce qui est transport de ressources. Vraiment designé pour ça. C'est-à-dire, j'aurais pas eu la flemme d'aller jusqu'à Horizon. Je me serais peut-être pris en C1. J'en parlais hier, hein, le C1, ça fait partie des rares vaisseaux de chez Crusader qui trouvent grâce à mes yeux. Ah bah voilà. Là on est sur des caisses qui sont pas de 1 SCU, c'est cool ça. Ça me plaît. Le problème avec le C1, il faut aller au showroom de Crusader pour l'acheter, bah comme tout le vaisseau Crusader en fait. Hop. 4 SCU. Pas le C2. Le C2 peut s'acheter à leur ville? Ou à la zone 18? Ah, c'est bon. 14 ACU. Le compte est bon. C2 est dérivé, s'achète à peu près n'importe où. D'accord, j'étais persuadé que c'était les vaisseaux qui s'achetaient uniquement au niveau de Horizon. Là, on commence à causer. Avec la mer, une légère avance sur les votes. Ah bah, ça tombe bien, je voulais voter pour le clamer, vu que c'est un vaisseau Aegis.
Et salutations Tadeus et merci pour le rabonnement, 29 mois complet. Bonsoir les gens, ben bonsoir à toi. J'ai vu un Cédon en vente à leur ville. De toute façon on va regarder sur... Pendant le trajet vers Pyro Gateway, on va regarder sur Hercule. Je le crois hein, pour le coup, mais... En même temps, ça va permettre de voter pour le réclameur. Skinkly, j'ai pas trop suivi les streams ces derniers temps. En même temps, t'as pas manqué grand chose hein, parce que Star Sun, ça fonctionnait pas des masses. Entre vacances et gaming, mais ça fait un certain temps que je n'ai pas fait un tour sur SC. La 3.23 est toujours capricieuse à cause des serveurs. 3.24 a remis les bugs. PTU semble plus ou moins ou autant stable. Moins instable. Alors, 3.23, c'est. Faut la fuir comme la peste, clairement. Qu'on soit clair. La 3.24, jusqu'à hier inclus, elle était injouable. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux. Genre, beaucoup mieux. C'est dû à la zone 18 et Horizon. Il semblait bien que c'était pas à leur ville. Ma fille. Zone 18, c'est plus bling bling, ça correspond mieux à Crusader. Et une petite Bulma qui est. Il est rentré dans le bureau. Hop, déploie le vaisseau. Regarde, je vais peut-être plutôt m'entraîner sur DCS alors au lieu de Star Citizen. Bah en vrai, sur la 324, je rappelle que le PTE est public. Il n'y a aucun S qui a allé sur la 324. Par contre, la M2 dispo à leur ville. Sérieux? Ah, tu vas me dire, le Nova est dispo à leur ville, donc en soi c'est logique. Hop, nous disions donc. Ouf. On vote pour le réclameur. Parce que voilà. C'est serré les deux, hein. C'est serré. Heureusement, la M50 n'aura pas gagné face au Fury. Quelle surprise. Et nous disions sur Hercule. Le A1 est dispo à Crusader, ça on le savait déjà. Le A2 est disponible uniquement à Crusader. Le C2, Astro Armada sur la zone 18 et Crusader. Et le M2, en effet, est disponible à leur ville. Et à Crusader. Ok, bon. Par contre, ça me stresse, je suis pas aligné avec l'écliptique. Voilà. J'ai un psychorigide, il faut que je sois aligné avec l'écliptique, sinon ça me stresse. Par contre, le saut il met tellement de temps à refroidir, c'est infâme. Enfin, je pense à prendre quelque chose à boire et à manger d'ailleurs, in-game.
Ah mais l'avocat, le réclameur, c'est un bestiau. Hein. Il y a un bon design, on est d'accord. Attends, il est inspiré du Nostromo, voilà. Normal. Nostromo, un des meilleurs vaisseaux de SF. J'ai pas fait gaffe, on a quelle distance? 13 millions de kilomètres. Ça va. Comme je disais, on a un moteur de saut qui est relativement correct, hein, 230 000 km par seconde. Non, c'est 130 000 km par seconde, si pas bêtise. Pas le plus rapide, mais c'est pas le plus lent non plus. Ah, Skinfaxia, ouais, DCS, c'est une simulation qui est très poussée pour ce qui est de simulation de vol en avion. T'as carrément tous les boutons du tableau de bord qui sont interactifs. Et assez abusé. D'ailleurs, si tu veux l'exact inverse de ce qu'est de ce que c'est DCS, tu as tout ce qui est aviation dans Battlefield. C'est l'exact inverse. Claude qui dit en parlant de Nostromo, j'ai profité des récentes soldes Steam pour prendre le pack complet Alien Isolation qui était à moins 80 balles. Fais-toi plaisir, c'est certainement le meilleur jeu Alien qu'on ait eu jusqu'à présent. J'ai payé 10 € au lieu de 80, oui, je te fais plaisir. Alien Isolation, vraiment meilleur jeu de la saga Alien. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, je l'ai refait il n'y a pas si longtemps en mode cauchemar, donc le mode le plus difficile. Et quelque chose. C'est quelque chose. Quand t'as le détecteur de mouvement qui déconne à balle, tu sais que t'as la ligne qui est pas loin mais tu sais pas où est-ce qu'il est. Bon, voilà. Logan qui dit le let's play m'a suffi pour Alien, mais il faut le faire. Regarder un créateur de contenu sur un jeu d'horreur, créateur de contenu qui a l'habitude des jeux d'horreur, et faire ce même jeu soi-même, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus intense de le faire soi-même. C'est vrai qu'il y a des personnes qui étaient frustrées par rapport au fait que je fasse le let's play sur Dead Space Remake, parce que c'est en mode mais c'est nul, t'as pas peur pour ça. Écoute mec, pas de ma faute hein. Logan qui justement trop peur de devenir cardiaque. Mais non. Au bout d'un moment tu vas commencer à jouer avec le xénomorphe. Tu vas lui donner des petits noms. Genre Philippe, tout ça. Ah mais le xénomorphe sur ma run en cauchemar, putain, qu'est-ce qui m'a cassé les couilles. Deux, trois fois, tu rentres dans une pièce, il descend de la bouche d'aération pile poil à ce moment-là. Le xénomorphe qui te troll. Je me rappelle d'un passage totalement con en plus, où je me suis retrouvé dans une impasse, dans un couloir, avec un couloir qui était perpendiculaire à celui dans lequel j'étais. J'étais au fond. Tout calé tranquillement. Et t'as Xenomorph qui, pendant 2 minutes, a fait des allers-retours devant mon couloir sans jamais s'intéresser à moi. Maxime qui, espèce de cœur de pierre, va. De pierre. J'abriais? Non, moi je suis pas un bâtard. Ça va. Excusez-moi, je l'ai dit peut-être un peu fort. Et ça t'assemplifie.
En vrai, par rapport à ça, c'est Alien Isolation, c'est un bon jeu. Le cœur qu'il m'a gavé aussi avec sa vidéo 1-1. Bah surtout que le timing était un peu trop parfait pour l'annonce de sa Xbox. Tout petit peu. Mais bon. Et salutations, c'est impeccable. Hein. De sa quoi, j'ai regardé sa vidéo pendant 5 minutes, j'ai quitté. Sa Xbox, grosso modo, c'est. Il veut faire une. Il avait comme projet de faire une sorte de grande salle où bah, des gens pourraient s'amuser, boire un coup, faire du billard, etc. Et dans sa Racebox, pièce fermée, hein, je rappelle, il voulait exposer le multiple. Hein. Voilà. En mode pièce de collection. Et donc Sylvain a pris ça, il a dit, bah en fait non, le multiple c'est pas une pièce à exposer, si tu fais ça il va mourir, donc bah je vais être grugé par rapport à ça, parce que t'as déjà commencé à faire les démarches. Pour acheter le multiplat, je vais faire la même chose, sauf que moi je vais le faire rouler. Voilà. C'est à peu près ça qui s'est passé. Pierre a pas apprécié, et donc il a fait sa vidéo en moins. Pour faire simple. Maxime qui dit, je fais bien de faire une pause YouTube en ce moment. Ah mais les dramas en ce moment ça s'est pas mal enchaîné. Hein. Il y a eu Y penser face à Serment d'Axe. J'ai pas bien placé. Ah Serment d'Axe qui, miracle, a admis qu'il avait eu tort. Ouais, il y a eu quelques dramas là. Donc, on envoie et on a validé la mission. Maintenant, terme de réputation, on en est où? On est passé junior, donc normalement on doit avoir beaucoup plus de missions de cargo qui vont être disponibles. Donc retour direction Hearthstone. Hop. Close. Merci. Et on va voir les missions. Normalement on va avoir un truc genre 120 missions disponibles. On va faire un petit peu plus de choix. Et l'avantage, c'est que ces missions-là vont potentiellement amener d'avant-poste vers avant-poste avec des caisses de plus de 1 SCU, et ça, c'est cool. En vrai, c'est intéressant comme point de vue.
Le cadre est quand même sacrément joli ici. Le cœur qui dit je suis mal tombé, ça va à 5 FPS. Après, dire que t'es mal tombé, bon. En soi, 5 FPS sur SC côté serveur, c'est classique. Et merci Sir Impeccable pour l'abonnement, merci beaucoup. Nous disions donc, retour sur Hearthstone. Bah c'est cool, je me dis là enfin on va pouvoir faire une session complète sur SC aujourd'hui. Le pied. Ça faisait 3 semaines que ça n'était pas arrivé. Voilà. Clean shot, miniature pour demain. Là c'était joli. C'était très joli. Passe bien le nouveau patch? Ouais, en vrai, là, ce patch-ci est plutôt correct. Pour l'instant, de ce que j'ai fait, j'ai pas rencontré de bug majeur. On verra faire un petit peu le FPS tout à l'heure, d'ailleurs, au passage, pour voir. Lazarkar qui dit attention au karma, parle pas trop vite d'Erko. Non mais, les gars, c'est bon. Allez pas me porter la guigne. Madame qui vient d'entrer du boulot. Et 7 à 100 Félix. Le cœur qui dit la porte de ma chambre s'ouvre pas. Ah. Au pire backspace, hein. Félix qui dit c'est quoi la dernière dose du Serum Meshing? Serum Meshing qui va arriver pour la 4.0. Et la 4.0 qui arrivera quand elle sera prête. C'est ça la dernière news. Mais CIG semble avoir dit que ça arriverait fin septembre. J'y crois pas. C'est à CIG de me donner tort. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et... pas plus d'infos. Soon TM, c'est ça. Je viens de dire les deux nouvelles saveurs de Holly à Madame par rapport à ce qu'on va recevoir. Non mais... Si. Non, mais parle pas fort. Elle est en mode « Oh, trop bien !» Voilà. Félix qui dit « Couche d'application, c'est derrière nous ?» Oui, 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 c'est depuis la 3.23. Donc c'est déjà intégré. De toute façon, par rapport à ça, Félix, je rappelle que pour que la 4.0 soit intégrée, donc pour que le CRM Meshing soit intégré, il faut que les couches de réplication soient intégrées, et c'est le cas depuis la 3.23. Même depuis la 3.22, si j'ai pas de bêtises. Non, j'ai plus. C'était intégré quand? 3.22 ou 3.23 couches de réplication? 3.22, hein. Il y a eu tellement d'avancées technologiques là de la part de CIG ces derniers mois que... voilà.
L'autre qui dit, la 3.23 a amené plein de bonnes choses, sauf les Master Mode. Oui, et le TTK à rallonge, je suis d'accord. C'est un P4 qui dit, je pense, 3.23. Au pire, de toute façon, on peut regarder. Hein. Plutôt que d'essayer de se rappeler, je rappelle qu'on a un site qui fonctionne relativement bien par rapport à ça, avec la roadmap, et dessus, techniquement, on a les technologies qui ont été ajoutées par le passé. 3.23, c'était dans Cortec, Vulkan qui a été intégré, Water Simulation. Ah, donc c'est bien 3.23. Courge application. Enfin, update des courges application. De toute façon, 3.22, il n'y a pas de core Cortec. Donc c'est bien ça. 3.23 pour les courges application. C'est bien ça. Nous disions mission de hauling. Oh la queue. De Ark L5 à Aerys Arbor et Seraphim Station. C'est un peu loin. Alors, j'ai envie de le tester. Parce que sans SCU, ça rentre pas dans mon vaisseau. Par contre, sans SCU et... Je peux le faire en plusieurs fois, vous allez me dire. On va tester si je peux le faire en plusieurs fois. Cloudwalker qui vient de changer de serveur parce qu'il était sur un serveur à 5 FPS. Il se connecte sur un nouveau serveur. Serveur à 20 FPS. Oui! Message suivant, 34 de merde. J'en déduis que ça s'est pas bien passé. Je présume... Walker, que ça s'est pas bien passé. Arrête-moi si je me trompe. Erreur 30K into 60K. Ouais, 60K, c'est pas grave ça. Faut que j'aille récupérer ça. Ouais, faut que j'aille récupérer ça sur Arcorp. Le gars qui dit on relance le jeu, again. Qu'est-ce qui arrive? L'erreur 64, t'as juste à forcer un peu et ça passe. Salut France Travail, et merci pour le follow. N'oubliez pas de vous y rater, je vous remercie. J'ai mon Oli. Point d'exclamation Oli dans le chat. Je vous rassure. Le cœur qui dit en fait, moi quand j'ai pas de problème, ça marche pas chez Derco, et quand ça marche chez Derco, ça merde chez moi. Bah, essaye de venir sur le serveur. C'est quoi la charte de mon serveur? Où est-ce que c'est déjà? Parce que vu qu'ils sont tout modifiés comme l'indicateur, il est où? Ah! Shard 50, serveur Europe. Voilà. Si t'arrives sur la Shard 50, en théorie, ça marche. Théorie. Donc là, on va faire deux allers-retours, parce que je rappelle que le Corsair ne peut transporter que 72 SCU. Alors techniquement, je pourrais gruger en mettre plus, bien entendu, parce qu'il y a toujours moyen d'en mettre plus à l'intérieur du vaisseau, puisque ce serait pas verrouillé. Mais on va essayer de faire ça en deux fois, voir si c'est possible de faire l'émission comme ça en deux fois. Je vous avoue, je suis curieux. On voit la charde dans le Air Display Info. Ça a été modifié. La charde, tu la vois. Elle était où déjà? Voilà. Tu vois en haut à droite. Attends, je te mets en plein écran comme ça tu vois.
La deuxième ligne jaune, celle qui indique les FPS côté client, bah, juste au-dessus, tu as donc Shard ID PTU underscore EW machin 50. La deuxième ligne jaune en partant du haut. Avec le Air Display Info 3. Parce que moi j'utilise toujours Air Display Info 3. Je sais qu'il y a 1, 2, 3, 4 maintenant. Mais voilà. Moi j'ai toujours pris comme habitude d'utiliser la commande Air Display Info 3. On arrive. Ouf, latence serveur, c'est bon. J'allais contrôler mon vaisseau. Bay Points. On va en profiter pour refaire le plein de Quantum Fuel. Même si j'ai encore largement assez de Quantum Fuel, mais bon. Claude qui dit ça galère à trouver un serveur de mon côté. En même temps, si le serveur sur lequel tu étais a crashé, c'est-à-dire que t'as une centaine de personnes qui doivent se reconnecter. Et vu que là, j'ai l'impression que CIG est vraiment ric-rac en termes de nombre de serveurs disponibles pour les joueurs, vu qu'on s'était chopé les 60 000 il n'y a pas si longtemps. Qui voulait dire que les serveurs sont pleins. Et que là en plus on arrive sur une heure où les gens commencent à se connecter. Compliqué. D'ailleurs 30K en boucle. C'est 30 000 tout pile ou c'est 30 000 et quelques, genre 30 015, ce genre de choses. C'est pas le même type d'erreur ça. Cas tout pile, ok. C'est-à-dire que c'est serveur qui crash et les couches d'application qui n'arrivent pas à être connecté. L'autre qui dit j'ai spawn, et bah félicitations, je vais pouvoir jouer peut-être. C'est à Sorio. Oh, un 400i qui est en train de décoller. Très jolie animation. Ok. Le cœur qui dit porte de ma chambre bloquée encore. Je reste calme. Oh, il faut rester calme avec Star Citizen. Voilà, le serveur sur lequel je suis commence à montrer des signes de faiblesse. Le serveur commence à galérer. J'ai l'impression. Je vais pas refaire le plat, c'est pas grave. Et j'arrive pas à descendre de mon siège. Si, c'est bon. Ok. Ouais, donc les serveurs vont pas tout à fait bien. Hein. Y a quand même quelques. Je pense que là, le serveur a un petit peu le hoquet. Deux. Trois. Quatre. 4 secondes et demie pour pouvoir ouvrir une porte. Ouais, 2 secondes, ça va. Serveur FPS statique, ça sent pas bon. Oui, non, généralement, ça, serveur FPS statique, ça veut dire que le serveur a crashé. Désolé de te dire ça, Crabwalker. C'est pas bon signe, en effet. Donc on a 100 SCU, bon, on va faire 50 et 50, hein. 30K. Courage, Claude.
Est-ce que je peux scinder en deux? Et récupérer que la moitié. Ça, c'est les caisses de 32. C'est les caisses de 32 SCU. Est-ce que... Ouais, split. C'est ça. Voltage, je prends juste les deux de 32. Et je reviendrai après pour le reste. Alors, cette assemblée là. Sava Meshing dynamique, c'est pour quand déjà? C'est pour quand ce sera prêt. Déjà, le Sava Meshing statique n'est pas encore intégré, donc le dynamique, c'est pas encore là. Faut garder en tête que Chris Robas avait expliqué que oui, il voulait faire des tests par rapport au Sava Meshing dynamique à la fin de l'année. Press X to doubt. Cool, juste pour mes retraites. À peu près, ouais. Tu crois encore à ce que à la retraite? Moi, c'est pour l'innocence. Wait, les 32 SU, ça rentre pas de base? C'est quoi cette arnaque? Les 32 SU ne se verrouillent pas? Ah oh bah si c'est ça, écoutez, on va le faire... On va tout faire d'un coup. Hein. Comme dans le Star Runner. Les caisses de 32 SCU, je pensais qu'elles se verrouillaient, les caisses de 32 SCU dans le Corsair. Ce serait que dans le C2 C'est bon, tout va bien. Alors, chaque chose en son temps. Déjà, on va repositionner le vaisseau. C'est la personne des chats. On va juste repositionner le vaisseau. Je vais récupérer les deux caisses de 32 SCU et puis on va. On va s'en sortir. Vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Ne reposez pas ça chez vous. C'est une cascade qui est faite par un professionnel. Un C2. Ouais, je me dis que là pour le coup. Un Taurus ça marche bien. Alors, Kurogan, la dernière fois que j'ai testé avec un Taurus, il m'a pété entre les doigts littéralement. Alors, est-ce que j'ai besoin de réparation suite à ça? Même pas sans réparation, c'est parfait ça, regardez ça. Aucune éraflure, quoi que ce soit. C'est rien passé. Va bien. Allez, il n'y a absolument aucune preuve qu'il s'est passé quelque chose de pas cool.
Regardez. Hop, hop, hop. Nickel. Ouais, donc en fait, on va vraiment le faire en deux fois. Hein. Ça avait été tout problème de... Alors, ouais. C'est bon? Tu bouges pas, hein. Tu bouges plus. Le gars qui dit je peux demander à un ami pour join ton serveur, oui. Si t'arrives à m'ajouter, je crois que sur le PTU je suis plus simple à ajouter, je rappelle c'est Derku hein, mon handle. Voilà. Ne pas croiser les effluves. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bon. Donc ça me permet de faire le test, savoir si je peux faire en deux fois une mission. Jackie, le truc que je pige pas, pourquoi ils ajoutent pas une option pour que tu choisisses toi-même la taille des caisses pour ces missions? Parce que c'est le client qui choisit la taille des caisses, pas toi. CQFD. C'est lui qui dit jusque-là tout va bien. Oui. Si j'explose en vol, on va pas se poser la question du pourquoi du comment. Après, mine de rien, avec ce qui vient de se passer, le corsaire, pas une égratignure, s'en dit long sur la qualité de chez Drake. Hein. Je tiens à dire. Voilà, hein, on est sur quelque chose de propre, en termes de qualité. Donc... Ah. C'est accepté normalement, Claude. Direction Crusader. Nickel. On va faire après le deuxième voyage, hein, je vous rassure. Peut-être que je peux pas join. L'heure du sang. Pourquoi le serveur est plein? Ça me met unavailable. C'est quoi ce bordel? Unavailable? C'est la première fois que j'entends ça par rapport au fait de joindre un serveur. Il relance le jeu, hein. Là, c'est... Chelou quoi. T'arrives pas à rejoindre mon serveur. C'est étrange. De quitter le jeu, pendant la 30K, essaye de passer dans l'arena commandeur puis revenir, ça arrive. Ah ouais, pas bête ça, comme le dit Atraxi, Walker. Passe par l'arena commandeur en mode free fly online. Peut-être que ça va te débloquer. J'ai eu le souci moi de mon côté. Le cœur qui dit on s'élève pas, c'est le final alpha. Courage. Bon, j'espère que sur Seraphim Station, je vais pouvoir refaire le plein, tout de même. Ça peut être pas mal. Il a combien le C2?
Je sens vraiment acheter un seul. Ouais, non, ok. Je viens de voir déjà, ne serait-ce que le M2, il est à 30 millions de crédits. Laisse tomber. 19 millions de crédits, j'aurais pas assez dans tous les cas. Ok, il serait très drôle que le serveur de l'Arco crash au moment où je le rejoigne. Va pas me porter la guigne, Cloud. En vrai. C'est pas une bonne idée. S'il te plaît. Pour la première fois depuis 3 semaines, j'ai l'espoir sincère de pouvoir faire une session de 6 heures sur Star Citizen. Viens. Viens pas tout foutre en l'air, s'il te plaît. Je t'en prie. Merci. Ok. Le karma, non, Berserkir, pas de karma. Please. Il me dit que mon joueur est toujours coincé à la charde. T'as essayé de rejoindre l'Arena Commander en mode free fly en ligne? De spawner, rétamon, spawner dans la free fly, et ensuite de quitter et de relancer? Ouais. Ah, dans ce cas, t'as juste à attendre quelques minutes que je comprenne que tu n'es plus connecté. En espérant que ça fonctionne. Même cool ce vaisseau. Les jeux de texture sont pas mal. J'aime beaucoup les jeux de lumière qu'il y a notamment au niveau des tuyères là, juste là. Faites pas assez attention aux détails de vaisseau qu'on a. Très joli. Avec le locker, comme je disais, c'est là, c'est juste que le jeu conserve que t'es toujours connecté au jeu, à un serveur. Attends quelques minutes, normalement le jeu va comprendre que t'es déconnecté. Et ensuite tu vas pouvoir te reconnecter sur un serveur, voire carrément sur mon serveur. Et salutations Lobster. Donc à noter, hein, le corsaire peut pas transporter le caisse de 32 SCU de façon verrouillée. C'était peut-être un peu présomptueux par rapport à ça, je pensais, mais non. Je pensais qu'il pouvait en transporter au moins deux en fait, mais pas du tout. Je suis un peu déçu pour le coup par le corsaire pour cet aspect-là. Je peux avoir un OM autrement, s'il vous plaît. OM4. Suffit de pas mettre le frein à main à pleine vitesse et tout roule. Ouais, enfin, tout à l'heure j'étais à l'arrêt, t'as vu comment s'est comporté le corsaire? Et merci Arfa pour l'abonnement niveau 2, 47 mois complet, merci beaucoup. Bonsoir Darko, bonsoir à toi. Donc on va passer par le M5. T'es comporté as intended. Je vois pas le souci. On n'est pas chez Bethesda là pour le coup, Nilsha. Encore que des fois je me pose la question. It just works.
Il était content de bientôt partir, donc il faisait des petits sauts. Petits sauts. Ah, ça y est, Cloudwalker a réussi à rejoindre le serveur. Top. Comme je te disais, par contre, Claude, fais gaffe, le serveur sur lequel je suis commence à montrer des signes de faiblesse. Je précise. Je veux pas t'alarmer. Pas t'inquiéter. Ça va à 5 FPS, mais c'est pas grave. Ah oui, le serveur est tombé à 5 FPS. Ouf. Tout à l'heure, on était à 12. Non, mais... pas bien. Il y a des missiles qui partent de la part de Séraphim. Heureusement que c'est pas moi qui suis visé. Hein. Je sais pas pourquoi les batteries de missiles de Séraphim tirent comme ça. Ok, il n'y a pas d'ennemis quoi. On le voit. On va quand même faire un tour à l'intérieur de Seraphim Station une fois que j'aurai livré les 64 SCU. Bon, je vais prendre quelque chose à boire. Le gear qui dit pitié, pas de problème de tram, je t'en supplie le jeu. Ah, moi tout à l'heure quand j'ai pris le tram, ça fonctionnait. Donc, en soi, il n'y a pas de raison. Très rassurant de voir les missiles comme ça qui partent juste à côté de moi quoi. Pas très rassurant. Claude qui dit le tram de New Babbage vient de faire un truc bizarre mais il a pas de spawn. C'est déjà ça. Après là, je viens d'avoir une latence de 3 secondes, un peu plus. Alors, en fait, que j'ai éteint les. Je peux pas refaire le plein, je peux pas réparer. Les réacteurs de mon vaisseau. Au pire, tout à l'heure. Oui, Bulma, je t'entends, ma fille. Au pire, tout à l'heure, on ira sur un avant-poste et on fera le plein sur place. Par contre, je veux bien descendre de mon siège. Merci. À ma fille. 30 secondes, il y a Bulma. Il y a une petite Bulma qui veut de l'attention. Elle est trop chouette. Le back server, oh mon dieu, ah bah oui, je te l'ai dit, le serveur commence à montrer des signes de faiblesse, hein. Je ne plaisantais pas. T'as bien vu le comportement tout à l'heure de mon corsaire quand j'ai chargé les caisses de 32 SCU à l'intérieur, hein. Il a commencé à voler dans tous les sens. Alors qu'il était à l'arrêt. Moteur coupé. Au sol. On vient le moment critique où je vais devoir décharger le corsaire. Et c'était sans Balta. Un shard EU140 15 FPS, tout marche bien au cas où. Bah le truc c'est que tout à l'heure la shard sur laquelle je suis là était à 15 FPS aussi. Puisque visiblement les performances se sont dégradées avec le temps. Et là c'est la ferme.
324 PTE public, yep. Je vais tester, hein, fais ta plaise. Tout doux tornado, tout doux. Voilà. Donc là on est déjà à 64 SCU. Et alors? Merci. C'est bon. J'ai fouillé, hein. Oh non. Là, tu l'as fait tomber, regarde à tes pieds. Bon. Eh bien, écoutez, on va annuler la mission, hein. C'est pas grave, hein. C'est des choses qui peuvent arriver. Abandonner, hein, écoutez. Par contre, ouais, le jeu. Non, tu veux pas que je l'abandonne la mission? Ninja Kennedy, en tout cas, nouveau hangar et l'ascenseur, c'est bien beau, mais je sens que ça va assez vite lasser. Bah, c'est. J'ai peur que tu aies raison. En fait, moi, dans mon cas, je m'en fous complètement. Ça va me plaire. Dans tous les cas. Mais le truc, c'est que j'ai peur que t'aies raison et que CIG fasse un pas en arrière par rapport à ça. De la même manière que CIG a fait un pas en arrière par rapport à tout ce qui est gestion de l'inventaire. Ouais, Cloud, je vois ça. Je vois ça, je vois ça. Claude Leclerc qui dit les serveurs sont en train de mourir, les ascenseurs de New Babbage sont en HS. Ouais. Volta qui dit les connexions, 30k. Les serveurs ont du mal avec les test events. C'est vrai qu'il est censé y avoir le bloqué de runner. Il est censé y avoir le bloqué de runner. Ah, ça, c'est les gens qui se disent bonjour. Vous inquiétez pas, c'est normal, rien de grave. Attends, qui dit trop dommage item bank malgré les bugs de filtre, je l'aimais bien en vrai. Pareil, mais le truc c'est que CIG a écouté la minorité bruyante et Ulta a fait machine arrière par rapport à ça. Ouais, je peux même pas faire. Si, c'est bon. Alors. On va. Stocker le vaisseau ici, se déconnecter et se reconnecter. 2000 chama. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Hop. Bon, au moins là, ça doit fonctionner. Claude qui dit dernière tentative, si c'est pété, on réessayera demain.
Bah, le truc, c'est que les serveurs ont l'air de fonctionner, mais de se dégrader assez fortement en fait. Baltin qui dit c'est fort dommage pour ces items banques, on était un paquet à bien aimer, aujourd'hui c'est du entre deux, ni fait ni à faire. Je te rejoins complètement, Balta. Et ça t'a sans Bad Ghost. C'est Michel qui l'a encore pété. Bah en fait ça fonctionnait bien jusqu'à présent, ça, il a tenu 2h30 le serveur, ce qui est quand même pas mal, et là il est en train de lâcher. Donc on va juste redémarrer le jeu en espérant se reconnecter sur un nouveau serveur. Et pas rester sur le même serveur, on était sur la charte 50. On va essayer de voir si on peut se connecter sur notre serveur. Parce que là, le serveur est en train de mourir. Mais donc oui, comme je le disais, le problème c'est que CIG a l'air de vraiment pas vouloir frasser les joueurs ces derniers temps. Il y a beaucoup de décisions que CIG a prises qui vont dans le côté vraiment casual et surtout en mode on écoute les petites pleureuses. Désolé, j'ai pas de terme hein, par rapport à ça. Si, Snowflake. Voilà. Sur Star Citizen, résultat, le TTK qui a été rallongé pour tout ce qui est autant dogfight que combat FPS, le Master Mode avec le switch qui a été excessivement rapide entre SCM et Nav Mode, enfin, plein de trucs comme ça, et là donc le rétropédalage par rapport à la banque d'items alors que le PT1 n'était encore qu'en vague 2 à ce moment-là. Ouais, ça fait quand même beaucoup hein, en termes de casualisation du jeu et c'est vraiment problématique. Madgoss qui dit j'ai un tick rate de ouf sur serveur, j'ai abandonné. Ouais, ça se comprend. Les consoles toujours rétrogrades? Alors, tu parles des écrans qui marchaient pas, ils marchent aujourd'hui, comparé à hier. Ils fonctionnent. Mais le problème, c'est que, comme je le disais, c'est juste que l'interaction avec l'inventaire local. Enfin, ça fonctionne, hein, bien entendu. Mais le problème, c'est que c'est à dire être pédalé par rapport à ça. Ah, on arrive sur la charte 200. Ok. On arrive sur la charte 200. Est-ce que cette charte-là va fonctionner ou pas? En tant qu'il a toujours été comme ça, c'est la minorité qui parle. Il suffit de voir les commentaires sous les posts Spectrum des updates. Les trucs les plus upvotes sont des retours des items. Des items ban? Quoi? Pas suivi. Là pour te dire, Cloud, je suis en train de rejoindre un serveur qui varie entre 3 et 6 FPS. Donc, pas sûr que tu aies envie de me rejoindre. En vrai. Pas convaincu. Ah, des items banques. Ok. Ouais, donc oui, ce qui prouve bien que le rétropédalage était une connerie. Hein. Ce qui contrebalance tout à fait ce que Sayaka disait tout à l'heure en mode on était très nombreux à dire que l'item banque c'était de la merde. Madgus qui dit Vulcan n'est pas encore opérationnel à 100%. Oui, mais aujourd'hui, entre Vulcan et DX11, il n'y a pas vraiment de différence de performance. À terme, ça va changer dès lors que CIG va intégrer le multithreading à Vulcan. Et ça va faire du bien, en vrai. Faire du bien. Surtout pour moi qui ai 32 fucking threads qui sont pas utiles actuellement. On va aller s'acheter à boire et à manger. Il y a une galerie ici. Hein. Ouais, il y a une galerie. Le PC brûle pour le moment de ouf. Ah, pas vraiment en fait, c'est juste que actuellement Starsyn n'est pas capable d'exploiter la totalité de la puissance de calcul à la fois du processeur et de la carte graphique. Et résultat, bah en fait. Il y a juste qu'une partie qui est exploitée, quoi. Pourquoi est-ce que je vais ici, vous allez me dire? Tout simplement parce que... Ici, normalement, ils vendent du cruise. Pas de gosse qui met à 3080 galère. C'est pas qu'elle galère, c'est que Starsen n'est pas capable d'exploiter la puissance à 3080. Nuance. Ils vendent pas de cruise ici? Hérésie! Non. Putain, t'as envie de me dire que...
Y a une bande d'items dans le coin. Pas une bande d'items ça. Il est où le food court ici? Y'a pas de food court? C'est de ma gueule le jeu? Le cœur qui dit j'ai une 3080 et j'arrive à avoir des performances décentes. Bon, j'ai de l'LSS en performance aussi. Alors, je rappelle que pour l'instant, ce qui pose problème, c'est plus le processeur que la carte graphique. Et ça, il y a Kazaba. Ok, je vais essayer à Kazaba. Bonne idée. Résultat, alléger la charge de la carte graphique, ça apporte pas grand chose en soi. Ah oui, putain, il y a des Cruz ici, bien vu. Est-ce que je peux les acheter directement depuis ici? Hi. Let me know if there's anything I can help you with. Déjà pour ça, il faudrait que la base de données charge. Ça y est. Ouais. The terminal over there has a few more items than what's on display. Nickel. I think you're going to be happy with that. Ce qui dit qu'on voit ta charde. Ah va. C'est pas la folie, mais ça a l'air d'aller. Jam qui dit pareil, j'ai une 2080 Ti, elle se débrouille très bien, mais c'est le CPU qui se traîne. C'est ça. En fait, faut garder en tête que là, actuellement, processeur carte graphique, je rappelle, hein, pour faire très simple, c'est un peu comme si vous aviez dans une voiture. La carte graphique, ça va être votre moteur. Et le processeur, ça va être la carte. Grosso modo. C'est ça qui va permettre d'exploiter votre moteur. En gravitation. Le problème, c'est que là, actuellement, vous êtes avec une Bugatti Veyron, ou une Chiron, on s'en fout, voilà. Mais vous êtes sur une route de campagne totalement défoncée, un petit peu ce que vous voyez dans, lorsque je joue à SnowRunner. Vous êtes d'accord que c'est pas possible d'aller... C'est intéressant comme positionnement par rapport à... J'aime bien. Les jeux, s'il te plaît. Vous êtes d'accord que dans une configuration comme ça, vous pouvez pas mettre pied cale. S'il te plaît, vas-y, je veux juste boire. Et essayer d'aller à 300 km par seconde. Par heure. 300 km par seconde, ça fait un peu beaucoup, même pour une Bugatti. Je vous dis, Knim, mais PTDR, je suis mort, il te ressemble grave ton perso. Bah oui, je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait pour ça. C'est normal. Ouais, le serveur est en train de lâcher les gens aussi. Je me moque pas, il est juste drôle. Ah mais enfin, je suis content. Hein. Si je trouve qu'il me ressemble, c'est cool. Et c'est vrai que... Ah, la bouteille est revenue dans la main. Résultat, c'est là que mon perso est bugué. J'adore. Juste encore trop de cheveux. C'est vrai que... Voilà, quand je disais qu'il est bugué, c'est ça. Putain, ils ont pas corrigé ce problème-là, j'y crois pas. C'est bon? Ok. Vas-y, on s'en prend un autre. Bien sur la charte 140, le serveur respire mieux pour l'instant. Alors, tous les cas, de toute façon. Attends, mais.
Je viens de boire deux fois la même bouteille. J'avais acheté 6 bouteilles. Je viens d'en boire deux, il m'en reste 5. Je suis là que je vais prendre dans la main. Oui. J'ai. Wouah, j'ai bu deux fois la même bouteille, c'est pas mal ça. Sacré bug. It just works, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, quand je disais tout à l'heure qu'on n'était pas au niveau de Bethesda, on en est pas loin quand même. Bon, il est bien. Mon rayon tracteur, il est pas mal, hein. Mais à l'époque, c'était quand même l'échelle de ton vaisseau qui te faisait avoir un air gadac quand même. Non. La meilleure époque, c'était le fait de descendre de ton siège de pilotage avec un sac à dos qui faisait exploser le vaisseau spatial. Je suis désolé, ça c'était le must. T'as ton sac à dos, tu descends de ton Gladius, il explose. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. D'accord, le clerc qui dit je viens de passer à travers le sol. Donc tu me confirmes que ta charde allait bien, hein? Tu retournes pas, mais t'as un tracteur beam planté dans le dos. Ah, où ça? Où ça? J'arrive pas à le voir. J'arrive. Il est où? Excusez-moi. Compliqué, hein? JPP là, franchement, sérieux. Il manque plus que la musique classique là, et puis c'est bon, t'as l'impression que c'est une ballerine. Non, en vrai, bougez pas. Allons voir. Musique, ballet. Ballet. Libre de droit. Voilà. Voilà. Non mais enfin voilà. Allez, danse. Voilà. C'est beau, hein. Bref. Ouais. On va attendre le patch de ce soir. Vous savez quoi? Mes espoirs de faire une session de 6 heures viennent de s'envoler, de s'évaporer comme neige au soleil. Et. Ah, pied. Bref. T'as presque fait la moitié des 6 heures, on progresse, c'est bien. Oui, c'est vrai, là, 2h40 de stream, c'est pas si mal. Et ça t'en pris mal. Mais on va arrêter le tir, là. On va arrêter le tir. C'est la faute de Cloudwalker, oui, non. C'est vrai que techniquement, depuis qu'il a rejoint le serveur sur lequel j'étais, c'est parti en couille, tu as raison là-dessus, Berserkir. Il est vrai.
Et je peux pas l'en tenir responsable. Personne, c'est bien, mais à très petite dose. Ouais. Là, en plus, bon, moi j'ai la migraine qui veut pas me lâcher depuis une semaine et demie, donc c'est compliqué. Bref. On va gentiment s'attaquer pour le stream de ce soir. Je rappelle que le replay de ce stream, parce que oui, on a un replay, sera dispo dès le matin à 8h du matin sur la chaîne d'Aqua Replay, que le lien est sur le stream. Ça ne change pas. Il y a un patch ce soir, j'ai bon espoir que demain ça aille mieux. Et puis, on verra ça demain. Bien entendu. Si ce petit stream vous a plu, je vous encourage vraiment à me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Twix, Twitch, YouTube et Insta. Tous les liens portant sont sur le stream. Et dans la description de la vidéo pour ça qu'on va s'appeler sur YouTube. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.